Alors donc on se retrouve à la salle de sport, donc une séance coachée de 1 heure approximativement avec Monsieur le V12. Donc Monsieur le V12 sera mon coach durant cette séance. Donc apparemment je vais en chier, apparemment je vais morfler. Donc c'est ce qu'il dit, on verra bien. A tout de suite. Bon, j'ai réussi à m'éclipser 2 minutes pendant qu'il prépare je sais pas quel exercice de merde encore. J'ai juste une seule envie, c'est de me barrer, rentrer chez moi, je suis épuisée, j'en peux plus. S'il vous plaît, la prochaine fois, priez pour moi, pour que ce soit pas moi qui gagne. Enfin, pour que ce soit moi qui gagne plutôt la... la VSA, quoi. Bon, allez. Hey, go, go. C'est bon? Bah, je crois que c'est bon. Allez, c'est parti! C'est vrai? 5, ouais. 4, 3, 2, 1. Action! Dis-le. Action! Action! il sort trop bien le tien. Salut tout le monde! Mais non, mais attends, je voulais le. Vas-y, bon, c'est pas grave. Je voulais le redire, mais j'ai plus la force de le dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, je pourrais plus le redire. Non, vas-y, insiste, trouve la force. Action! Non, le action! Action. Plus la merde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 des Un gars, une fille, ce défi sur Call of Duty. Aujourd'hui, nous sommes sur Black Ops. Black Ops étant... premier du nom, tu l'as pas dit. Black Ops premier du nom. Black Ops étant le jeu sur lequel on va dire que ma chaîne a un petit peu explosé. En premier lieu avec un tuto, si je sais pas si vous me suiviez déjà à l'époque, mais j'avais fait un tuto sur Black Ops qui avait extrêmement bien fonctionné. C'est ce qui avait un petit peu lancé la chaîne Monsieur le V12. Donc aujourd'hui, normalement, je ne dois pas perdre. Comme vous avez pu le voir, donc la sanction de PG a été accomplie avec brio. Vous l'avez vu suer telle une petite porcinette. Mais merci elle a accompli... pour la comparaison, j'adore. Ouais. Je sais que t'aimes ça. J'adore. Donc voilà, elle a accompli son gage. Donc voyons si dans la prochaine confrontation, elle va enfin réussir à mettre un gage. Croyez-moi, elle renferme un sacré paquet de rancœur par rapport à tous les gages que j'ai pu lui mettre. Elle va se venger le jour où elle va pouvoir mettre un gage. Je crois que je vais prendre tellement cher. Tu confirmes? Je confirme, je valide. T'as déjà balancé la game. Yeah. Tu n'as pas perdu de temps. A priori, nous allons commencer. D'être trop lent. Ouais, c'est vrai que tu parles beaucoup trop. Ouais, bah écoute.
Mais bon, t'en veux pas. Bah t'aimes ça. Moi, j'aime bien quand t'es une pipelette. Surtout avant de dormir. Putain. Mon Dieu. Allez! Puis des fois, tu parles tout seul en plus. Tu parles et puis tu. Bon, MP5K. Non. MP5K, je te dis. Tu vas te prendre une raclée dès le début? Oui, j'adore Ok. ça. C'est parti les potes. Non, les gens ils aiment pas qu'on dise les potos. Alors on va dire c'est parti les potes. Quoi? Alors premier frag pour qui? En général celle qui me fait toujours le premier frag et derrière. Et derrière c'est toi qui me démonte le fion. Oh là là, tu m'as mis tellement peu de balles. Pourquoi t'as regardé la killcam? Pour justement pour comment dire? Pour te laisser le. Ah tu m'as vu. Ah je me suis bloqué. Noobie, c'est n'importe quoi des fois ce jeu, il te. Regarde. Oh, bien joué, j'étais en train de recharger, ouais, j'ai entendu dans le bâtiment. T'as entendu quoi? Le clutch. Le clutch. Des fois j'ai l'impression que c'est un sapin de Noël, mon personnage. Quand il se balade, je te jure, il fait un boucan pas possible. On dirait qu'il a mis tous les bijoux possibles et inimaginables. T'es un rappeur du. Du Bronx. Un rappeur américain. Un rappeur. T'as derrière sa Jeep. Il faut savoir qu'on a déjà fait un essai sur Black Ops. Et que Monsieur le V12, comme il est pas très doué, et ben il a pas réussi à rec correctement. Turn around! Et il en peut plus. En fait, quand je lui chante cette musique, ça le déstabilise de ouf. Alors là, pour l'instant, je lui ai mis. Enfin, c'était pas vraiment un turn. Enfin, je t'ai entendu, mais t'as pas tiré. Moi, pour moi, le turn, c'est vraiment quand tu tires sur le mec et que le mec a le temps de se retourner et te niquer la gueule. Là, t'as voulu me troll en me mettant un coup de couteau. Grave. En fait, il faut savoir que PG, elle déteste qu'on la tue au couteau. Parce que je trouve ça vraiment. C'est l'humiliation ultime. Oh. Dans le genre, j'ai mis tout mon chargeur qui pue, tout, hein, j'ai tout donné quoi. Ouais. Tu devrais jouer plus agressive encore. Parce que tu pourrais me spawn kill vu que. Je n'aime pas ça, je trouve que c'est bien de te donner rendez-vous au mid. Bah alors, monsieur le V12, on est perturbé, qu'est-ce qui se passe? Tes coups de couteau ils rentrent plus, t'es pas content? T'inquiète, ça va revenir ça. Ça va revenir, ouais. Putain de merde. Oh putain, de bien joué, bien joué, bien joué. Je ne veux pas me prendre un coup de couteau, s'il te plaît, sinon ça va me déstabiliser. Bah oh, j'étais bloqué contre un mur. Même moi, ça toujours dans le spam kill. À la pute. Oh où en difficulté, monsieur le V12. Est-ce que tu veux que je te chante ta musique préférée? Vas-y, chante. Non. Attends, je t'en remets un autre et une fois que je te le remets, je te la chante. T'as promis? Juré. Ça me rend ouf là, j'arrive pas à te. T'arrives pas à quoi? À te fraguer. Ça vient pas? Hein? Ça vient pas? Non. Effectivement, je trouve que là c'est la difficulté. T'es comment trop nul. Tu... Hey, est-ce que tu m'as. Quand toi tu perdais contre moi, est-ce que je te taquinais oui. comme ça? Mais tu vas y arriver, monsieur le V12. Tu vas y arriver, t'inquiète, regarde. Hop là, tu arrives déjà. Tu reprends en plus de 4 frags et tu reprends la tête. T'inquiète. T'es pas loin. T'es pas loin. T'as juste à faire comme tu fais d'habitude, c'est-à-dire spawn kill et puis te mettre en head glitch. Et t'inquiète pas, tu vas y arriver. C'est comme ça que tu arrives de toute façon. Le flash très mutuel et je me suis. Putain de merde, fait chier et. Là je suis trop concentré, je t'avoue. Hein, parce que je m'attendais vraiment pas à te mettre. Putain, voilà, ça c'est Karim, dans toute la splendeur. Quand il sent difficulté, il sort tout ce qui peut sortir de plus crado, le spawn kill, tu tiens, headshot, bouffe-le mon headshot, prends-le dans ta face. Oh, poteau! Voilà. T'es vraiment grave. Franchement, tu me saoules. Tu me saoules de ouf. Vas-y, insulte-moi comme t'as fait tout à l'heure. Putain, va te faire foutre! Tu sais que je me suis fail! Ah, tu sais que j'ai failli me prendre ta grosse surtout? Bah ouais, parce qu'en fait, je l'ai balancé. Je voulais mettre un coup de couteau. Je sais pas comment j'ai fait.
Ah, c'est ça que je veux voir, PG. Là, là, tu me fais plaisir. Au lieu de sortir droit dans... Qu'est-ce que tu fais encore dans ton spawn? Bah, j'étais en train de balancer des gros comme toi. Là, j'étais en train de te féliciter. J'allais dire, ouais, c'est bien, tu sors pas bêtement tout droit comme tout à l'heure. Et là, tu... En fait, ouais, tu sors pas du tout de son spawn, en fait. Bah, je sors pas du... Tiens, bouffe-le, mon couteau, maintenant. Bouffe-le, V12. Avale-le bien dans ta gorge profonde. Tu montes les nerfs. Mais qu'est-ce que tu fais derrière ta putain de voiture? Je répare mon automobile. Je suis garagiste dans l'âme, comme je te l'ai dit hier. J'adore réparer les voitures, c'est ma passion. J'ai toujours rêvé d'être garagiste et de... Et de quoi? De... T'as dû avoir chaud à ton cul là pour la grenade, non? Un peu. Oh putain. Et toi, tu fais quoi derrière ta Jeep? Qu'est-ce que tu fais derrière ta Jeep? Dis-moi. Oh le shoot de... Dégage. Non, non. Ah oui. Hey, j'ai un shoot de merde international. Bah, je veux dire, ça change pas d'habitude, ma faux, mais bon. Hein? Hein? Ça change pas d'habitude. Oh putain, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Eh bah ouais. Ça change peut-être pas d'habitude, mais c'est suffisant pour te faire la misère. Oh putain, je suis tout blanc, je vois plus rien. Ah, je vois plus rien, je suis tout blanc, sa mère. Ouais, comment il essaie de te foutre de ma gueule? T'essaies de te foutre de ma gueule, tout ça pour que je vienne bêtement. T'étais pas si blanc que ça. T'étais un peu blanc. T'es pas blanc comme neige, t'es légèrement blanc. Je suis concentré de ouf, je suis désolé, j'arrive pas à parler, sortir des conneries. Putain, pourquoi j'ai tiré, bordel de moule. T'aurais tellement pu me violer là. Mais qu'est-ce... Oh, t'es trop une campeuse, j'irai dans ta... Oh, oh putain. T'es sérieuse de jouer ta life comme ça? Grave. Wallbang, monsieur le V12, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Viens me chercher maintenant. Eh, là, tu me fais douter, là. Tu me fais douter de quoi? Douter de quoi? Fuck you, c'est toi. Douter de quoi? Ta gueule. Est-ce que je vais faire un sans pitié? Ah, peut-être, qui sait, avec un peu de chat. Un peu de chance, pardon, excusez-moi. Un peu de chance, parce qu'après, on va dire que je suis encore trop vulgaire. Un peu de chance, qui sait. Non, je vais me faire couper ma série, là, je parle trop. Voilà. J'avais pas de grenade, j'ai essayé, mais je n'avais pas de grenade. J'ai pensé que je pouvais, mais non. Destin en a voulu autrement. J'ai pas de grenada. Grenada! Reste derrière ta Jeep, bouge pas, hein, surtout, tu ne bouges pas. Hein. Ouais, t'inquiète. Bouge surtout pas, hein, monsieur le V12. Ok. Bon, tu bouges ou pas là? T'es dans. Non! Non! Mais tu fais. Hey, t'as une façon de te déplacer, ça trop te ressemble chelou. Pas du tout de jouer comme une chienne comme ça. Bah, je joue comme toi un peu, monsieur le V12, j'ai fait comme toi. Ce que je te mets, c'est incroyabilis. C'est incroyabilis, monsieur le V12, je ne te reconnais plus. Est-ce que c'est bien ton jeu? Est-ce que c'est bien toi qui faisais les vidéos? As-tu engagé quelqu'un à la place? C'était vraiment toi, t'es sûr? Parce que je doute vraiment de tes capacités en fait. Réellement, j'ai l'impression que t'es pas si bon que ça en fait. Tu me déçois. Peut-être que je devrais pas rester avec toi finalement. Peut-être que je devrais. Parce qu'en fait, il faut savoir que je me suis mis pour quand même juste pour ces capacités à jouer à Call of Duty parce que je le trouvais vraiment bon. C'est ça qui m'a fait tomber sous ton charme. En fait, là finalement, je pense qu'il est pas si bon que ça. Hein. Et qu'il reste 53 secondes pour faire 5 kills. C'est largement faisable si il joue là en mode full rush. Mais comme en même temps il se chie dessus. Et qui se fait flasher en plus, le pauvre. Crois-moi là, compte sur moi pour jouer comme la pire. Hein. Compte sur moi pour jouer comme la pire. Tu te rappelles ou pas de l'épisode BO3, pardon, excuse-moi. Je vais me faire niquer maintenant, c'est sûr.
dégoûté, j'aurais pu revenir. Ah, je suis trop vénère, mais t'as tellement joué ta life. Oh, life. All night, all night. Putain. La première victoire, elle est pour qui? Dis-le maintenant, parce que tu m'as dit quoi au début de... Juste au début de vidéo, il a dit quoi? Ah, tu passes sur la MP5-4 directement, tu veux... Genre, tu veux prendre cher direct. Non, c'était quoi tes mots exacts? C'était... J'en sais rien, ce que tu c'était. Tu veux prendre une raclée ou je sais plus trop. Je vois pas la raclée, là. Là, ce que je vois, c'est que moi, je suis au-dessus de toi. Ouais, bois, ça doit te faire du bien, ouais. Alors, qu'est-ce que tu ressens, là? Est-ce que tu te sens mal au sniper, là, maintenant? Non. Si. M16, c'est l'autre map. Et ouais, t'as choisi, t'as voulu aller vite, juste histoire d'être encore showtime. Mais là, pour l'instant, c'est moi qui suis dans le game. Donc 1-0 pour moi. Je te vois là, sur la cam avec ta petite tête, comment tu te la pètes de ouf. Faut que je te fasse redescendre d'un étage là. Ah là, tu vas jouer, il va jouer comme le pire là. Attention, ouvrez vos neuils. Ouvrez hein vos neuils. C'est quoi? Ouvrez vos neuils, il va jouer comme le pire, je veux dire. Qui? Bah toi. Non, franchement. Bah allez. Premier kill pour lui. Alors, si tu peux laisser les kill cam, parce qu'apparemment, des fois, je joue pas très propre, soi-disant en sniper. Moi, je veux bien que les gens voient comment on joue, que je que des trucs comme un minimum. Bien joué. Tu vois? Derrière ta Jeep. Ouais. Ça rien de balancer des grenades, hein. Ah, bien joué, j'ai fait n'importe quoi. Quoi, Hitmarker, t'es sérieuse, poteau? Oh. Tu mets de ces trucs. Je suis chaud là. Là, franchement, tu t'as piqué ma. Tu peux éviter de m'attendre dans ton spawn à chaque fois, dans mon spawn, pardon. C'est à toi de varier tes déplacements pour pas sortir toujours au même endroit. Hein. Comme on dit, faut varier les plaisirs. Putain. Je vais me prendre ces trucs au snipe alors que d'habitude je le tiens de où? Oh! Mais t'es tellement vénère! Eh, il déstresse! C'est desserre les fesses, bébé! Vas-y, desserre-les! Ah non, ils sont trop compacts là! Elles sont compactes! Oh! Elles sont compactes comme ça, comme le comeback! Une balle! Une victime! Ça arrive sans prévenir! Qu'est-ce qu'il y a fou en mode... Oh là 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 là. J'ai pas mis un truc. Écoute, genre hardscope. Okay, tu t'es largement... Ok, on va la jouer comme ça, mon pote. Ok. Alors, un petit corner, je vais le trouver. Vas-y. Voilà, là je suis dans un petit corner. Ok. Oui. Tu me rends trop dingue. Et là je suis un peu donc, vénère. Un peu corner de quoi? Enfin, j'ai pas compris. C'était le corner qui servait à quoi? Te mettre en mode cul carré pour que ton cul soit encore plus serré? C'est quoi le délire? Explique-moi. J'aimerais comprendre de la chose. Bah, je me mets sur un adlif derrière cette voiture, on va arrêter. Ah, c'est des paras qu'on a mis là. Dragoubit. Dragounev. Non, c'est pas le dragon. La grosse bite. Ah. Oui, parce qu'on vous a pas dit mais on avait le droit au couteau balistique. T'es chaude aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Hein? Je sais pas ce que j'ai. Y'a que 3 points qui me séparent de lui, il faut que je me rattrape. Oh mais putain! Ah, il paraît que c'est pas mal par ici. On m'a dit que c'était pas mal là dans le petit coin. Ah ouais. Faut faire attention à ton fion, mon petit bichon. T'as vu, je fais des rimes. Tu prends mes rimes à moi, c'était moi, fais attention à ton fion. La grosse bite. Rossi bistrel.
Tu peux arrêter de venir me chercher dans mon spawn en permanence, s'il te plaît? Parce que, enfin, au bout d'un moment, c'est un peu relou, tu vois. Bah, tu me dis de rusher, après tu me dis il faut pas que je rush. Je fais quoi là? Je suis censé faire quoi? Fais ce que tu veux. La grosse bite! Putain de... Mais putain de hitmarker quoi! Et puis ça me perturbe ta... Oh! Mais putain de double! Non! Non! Tu vas me la mettre, je savais. Je comment tu sais que j'allais te la mettre? Parce que je l'ai senti. Enfin, je sentais que t'allais réussir ton coup et pas moi. Putain, mais je suis sur toi, c'est une blague! C'est une blague! Je me prends 11 points d'avance, c'est même pas la peine d'y penser. Mais arrête, tu vas dire, ouais, t'as encore la chance de réussir, blablabla, blablabla, blablabla. Oh. C'est tellement plus beau ce que je te mets par rapport à toi, c'est un truc de ouf, ça me rend dingue en fait. Parce que toi t'es, je sais pas comment on appelle ça ce que tu fais, mais en gros tu scopes trop longtemps avant de tirer. C'est pas un hard scope, mais ça l'est presque quoi. Moi c'est des quick scopes du futur de la mort de Black Ops 32. Ouais, j'ai regardé quick scope, ouais. Bah bien sûr que ouais, t'es sérieux? Normalement, Quickscope, on doit pas avoir le réticule. Allez, voilà, c'est des coteaux qui jouent à Call of Duty, voilà, c'est nous. T'as tellement flippé à vous. Là, je mérite un bien joué, là, non? J'ai pas regardé, j'ai zappé la killcam, je m'en fous. Voilà, j'ai pas le temps. Ah! Ah là, je me concentre de ouf, je peux pas parler, je suis désolé, vraiment, on est en mode trop serré tous les deux. Moi, je peux parler, moi, les gens, vous inquiétez pas. Vas-y, parle, bah blabla tout à l'heure parce que je dis rien depuis tout à l'heure. PG, mon petit bout de chou, je vais te déchirer. Non! Eh, j'espère que tu l'as lancé, que t'as pas pointé, que t'as pas. Ah, c'est bon. J'ai cru que tu m'avais mis un vrai coup de cut, genre. Bah non, sinon, ça fait pas cette petite image là. Ça fait une image coup de cut. Sur ma vie, tu reviendras pas. J'ai juré. Sur ta vie. Je suis la reine des chiennes. Dans ma prochaine vidéo, je te jure, je m'habille en pute. Avec mini-jupe et tout. Oh. Arrête. Eh, elle va jouer sa life rien que pour me ridiculiser. Putain de merde. Tellement lent, on aurait dû mettre chargeur. Alors, t'as vu, je l'avais dit tout à l'heure, tu m'avais dit non. Bien joué. On aurait dû mettre chargeur rapide. Ah, bah c'est ce que. Non, pas chargeur rapide, je voulais mettre chargeur amélioré moi. Bah, il y est chargeur amélioré, hein. Ah ouais? Non, je crois pas qu'il y ait. Si, il est écrit. Ah putain, mais fais chier quoi! Moi j'y reviendrai jamais là, c'est même pas la peine. 2 minutes, 8 kills, c'est mort. Au sniper, c'est mort. Ah putain! Putain, tintin! J'observe quand même une PG qui est relativement différente entre la PG qui me trollait de ouf tout à l'heure et la PG là qui. Qui quoi? Qui se fait déchirer. Oh, abuse pas non plus, je me fais pas déchirer. Ouais, au début, je t'ai déchiré, je me suis déconcentré en fait. Je t'ai déconcentré comment? Oh putain! Oh le turn que je t'ai mis! Je t'ai fait un 180 de la mort qui tue! Et toi, je vais balancer mes grenades en même temps. Je vais faire des doubles triangles, jump shoot et tout. Ah, mais putain, mais. Ah putain, mais c'est pas possible. À chaque fois, je me dis, vas-y, je suis sur une bonne lancée, j'arrive pas. Concentre-toi, grosse conne, putain. Tu vas passer direct toi-même. Ah, c'est mort. Je suis fini sur cette game et je suis vraiment déçu parce que moi, je vais prendre le dragoon machin là.
Et il a pas voulu. Il a choisi son sniper pourri parce qu'il arrive à jouer avec celui-ci. N'importe quoi. Si ça... c'est vrai, tu voulais pas l'autre espèce de mytho. Parce que l'autre c'est un sniper de Tarlouse. Bah parce que c'est toi qui l'utilisais comme une Tarlouse, je te rappelle. Il utilisait le sniper comme si c'était un SVU. Il tirait, il me scopait et il tirait comme ça en rafale. Je voulais faire un oscope, j'y arrivais pas. Hein? Je voulais faire un oscope et j'y arrivais pas. Quoi? Ah bah que tu me dis on a le droit. Quoi? Non, je dis on a le droit. Bah ouais, c'est bien toi qui te plaignais en disant ouais t'es grave à te plaindre machin, à dire ouais les coups de 4 c'est pas possible. Je les mets moi les coups de 4. De toute façon ça sert à rien que j'en mette tout pas possible. Putain. Bah ça va jouer à la M8 hein. Enfin à la M16 plutôt. Ah ouais, bah ça fait du 1 contre 1. Ah! Je voulais faire la kill cam à vous. À vous, tu t'essayes de faire un truc de beau gosse, mais. Tant pis. T'es content? Est-ce que t'es soulagé là? T'as desserré un petit peu les fesses? Est-ce que ça va mieux? Non. Moi, je tiens juste à dire une chose. C'est que tout à l'heure, malgré que je me faisais défoncer, j'avais toujours le sourire aux lèvres et tout. Toi, t'étais en train de perdre. La rage commence à monter. La rage a commencé à monter au plus profond de son être. C'est mon seul espoir de te mettre un gage, t'es sérieux? Tu t'imagines deux secondes l'enjeu là pour moi? Ouais, mais t'es pas obligé d'être crispé. C'est comme ça, c'est comme ça. La vie elle veut que je sois crispé, je le suis. Là on va décrire. Mais non, c'est pas cette map là, Andouillette. Non, elle est trop longue, enfin elle est trop grande, t'as raison. Bah, elle est trop grande parce que c'est surtout, tu sais très bien que l'autre, j'aurais eu des possibilités de te la mettre, pas celle-ci. Ça a rien à voir. Mais si. T'es sérieux, si tu veux. Bah, on avait dit qu'on faisait sur studio. Vas-y, Firing Range. Vas-y, ok, c'est pas de souci. Okay. Comment elle s'appelle? Ok, Firing Range. Comment? Firing Range. Non, vas-y, oui. Tu veux la faire sur Firing Range? On va la faire sur Firing Range. Tu te plaindras pas. Okay. Je suis désolé d'être mauvais perdant, j'y peux rien, c'est plus fort que moi. C'est... Encore si réellement je gagnais toutes les autres games, franchement j'aurais pu te laisser gagner celle-ci. Enfin, j'aurais pas eu de rancœur et j'aurais pas été dégoûté de la vie. Mais là j'ai trop la haine, parce que sachant qu'au snipe, il faut savoir que je le tiens tout le temps au snipe. Parce qu'on avait fait un essai, je l'avais tenu, les essais qu'on faisait juste avant, je l'avais tenu, et là j'y arrivais pas. Firing, pas fring. Tu sais que si je me l'avais mis, j'aurais vraiment fait ma prochaine vidéo habillée en pute. Hein. Genre mini jupe. Ouais, bah bon, ça change pas d'habitude, c'est ce que tu fais tous les week-ends. Hein? Hein? Quoi? Rien. J'ai pas entendu. Bah moi non plus. Allez. PG. Arrête. Tu sais très bien. Quand je termine en plus comme ça, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Match à mort par équipe. J'ai tellement l'impression que vous imaginez même pas mon cœur là. Mets ton micro plus proche de la bouche. À 1000 al. Quoi? Mon micro il est près de ma bouche, il peut pas être plus près. Il a 1000, il bat 1000 à l'heure, 1000 au moins. Là je vais avoir une crise cardiaque. Je suis pas bien du tout. Non! Je savais que t'étais là, putain! Bah oui, moi aussi je savais que t'étais là. J'attendais que tu sors de la tête de l'autre côté. Mais... j'ai des lags hein. Moi aussi ça. Bah je te dis cette map là je crois qu'elle est elle est bizarre. Ah, elle est un peu buggée je crois. Au niveau des textures ça fait chelou. Merde. Ah, je crois que tu m'avais pas vu. Oh, ça mère l'hypopète. Ça mère l'hypopète. Vous avez vu j'insulte avec des insultes un peu plus joviales. Voilà. Et c'est la pression, elle est là, hein, mais vraiment, elle est ultime, elle est présente, elle est. Cette M16, enfin vraiment j'ai trop du mal, je tire trop mal avec, je suis trop nul. Oh non, putain. Faut vraiment pas que je te lâche des points d'avance, sinon ça va être la merde. La merde. Ah oh, mais c'est pas possible, je t'ai wallbang deux fois, je t'ai mis des marqueurs, normalement ça devrait passer. Oh non le jeu, faut que tu me laisses gagner le jeu. Putain, à partir du moment où il reprend la tête, c'est mort. Non. C'est mort. Regarde, t'es en train de...
dois être tellement rouge, mais comme Oui. Une fraise. Comme une cerisette. Comme une cereza. C'est ce que c'est une cereza? Non. Écoute, on est avec Fermeture Man. Ce qu'il y a... Là, du coup, ça paraît moins naturel, mais hier, quand j'entendais fermer ses poches, là, toutes les deux secondes, ça me rendait dingue. Putain, j'ai pas de shoot. Que le mec, il remonte sa braguette à chaque fois comme s'il venait de finir de tirer un coup. Mais non! Hop, il remonte sa braguette. Il remonte sa braguette tout le temps. Précoceman, c'est Précoceman, ce monsieur. J'avoue que c'est quand même mieux quand je perds, parce que quand je perds, au moins il y a de l'ambiance, là c'est mort. Hein? Je dis c'est mieux quand je perds, parce que quand je perds, au moins il y a de l'ambiance, là c'est mort. Bah, là, c'est normal, t'as pris une map gigantesque. Mais c'est toi qui l'avais voulu la map, hein. Mais non, mais après j'ai réalisé que c'était trop grand. Mais de toute manière, c'était mort quand même, hein. Dans Pourquoi le sens où. Là, la pression qu'on a, elle fait automatiquement qu'on est trop concentré sur notre game. Oh non, putain! Oh my ghost! Vas-y, fais-moi spawn dans ses bras la prochaine fois, c'est mieux. Tu kiffes être dans mes bras. J'adore ça. Mais elle est sérieuse, elle, elle se prend deux rafales, elle crève pas? Oh putain, j'y ai cru, je pensais que la grue était bonne là. Moi aussi j'y ai cru. Allez poteau. Ouais. Viens te prendre une rafale là. Oh arrête. Oh, je vais vraiment m'y random. Je me suis dit putain, il va pas passer, c'est sûr. Je vais me faire niquer parce que il va plus me rester beaucoup de balles, même s'il m'en restait encore beaucoup. J'aurais rechargé par réflexe parce que je suis noob. Mais non, c'est passé quand même et je suis soulagé. Ça me permet d'être à égalité. J'ai fait de la musique. Parce que mon bonhomme il remonte sa fermeture tout le temps. Et ça me permet de me faire niquer, de parler aussi. Parce que quand on parle, on est déconcentré. Mais non. Mais si. C'est pas vrai ça. Si c'est vrai. Faut mettre une musique en fond, hein, parce que là c'est pas possible. Hein. Mais non. Mais si. Les gens justement ils vont kiffer le fait qu'il y ait de la pression comme ça. Mais la pression là, fallait mettre mon pouls là. Ah putain. C'est trop chaud patate. Les minutes elles défilent trop lentement. Oh le one. Tu m'as mis un one de ouf. Fermeture éclair encore. Regarde-moi ça, ce bourrin, comment il tire. NON poteau. Foiré, putain, t'étais flashé, tu t'es tellement balade, enculé. Oh my god. Ah, c'est mort, je fais n'importe quoi là, je suis perdu. Je te jure, je suis perdu dans mes déplacements, je fais n'importe quoi. Regarde, je fais n'importe quoi. Oh, mais tu savais comment je joue comme une merde. Mais non, moi je sais que tu joues jamais comme une merde. Regarde, essaie de wallbang comme moi, mais tu n'y arriveras pas, mon poteau. Non. C'est de me brain. Enculé, putain. La déception, elle se lit tellement sur mon visage, sérieux. C'est vrai. Ouais, non mais franchement, je suis dégoûté là, ça commence à me saouler. Hein. Non, oh. Faut être bonne joueuse. Moi je suis pas une bonne joueuse, c'est connu. Est-ce que tu m'as connu bonne joueuse? Jamais. Voilà. D'ailleurs les gens, je profite de me balader un petit peu là pour vous rappeler, je sais pas quand est-ce qu'il va paraître ce... Quoi? Hein? De quoi? Ah, je disais, je sais pas. Comment elle a pas bougé? Oh! Cornerman pour justement entendre. Non, c'est pas Cornerman, c'est Q carré déjà. Moi je suis Q carré. Q oblique.
J'avoue, je joue ma live de ouf là. Hein ? Je joue ma live de ouf, je suis au coach champ dans ma tête. Logiquement, si mes calculs sont bons, voilà, tu pouvais être que là-bas. Oh ! Tu m'as mis un de ces one encore là ? Oh là 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 ! Même la colle est dans la... elle est pour toi quoi. Quoi ? La colle est pour moi, t'es sérieux ? Bah oui. Oh, mais arrête ! Ah, la musique elle rend ouf, je déteste les musiques comme ça dramatiques là, j'ai l'impression. Moi je l'ai enlevé moi. Bah pourquoi tu m'as pas dit de le faire ? Bah chacun fait ce qu'il veut, tu sais, tu vas dans ton menu options. Ah, je le savais pas qu'il y avait des musiques comme ça stressantes toutes les 2 minutes 30. Et le jeu il me met en rouge défaite, du genre comme si je savais pas que j'étais nul. Ok, tu es arrivé là. Culé. Reviens ! Je suis revenu. Reviens. Ah, mais c'est quoi ce duel de chien ? $1 million qu'elle va venir ici. $1 million qu'elle est ici. Ah, si tu fais tous les corners, tu dis. Oh putain, c'est bon, j'ai fini. Putain, je suis dégoûté. C'est le kill qui me permettait de revenir. Putain de merde. La salope, je suis tout rouge, je suis tout blanc. Mais quoi, mais putain. Vas-y, spawn kill moi, je viens de spawn, vas-y, nique. Bah, moi. T'es dans ma ligne de mire, je suis censé faire quoi? Faire demi-tour? Moi, tu sais ce que. Hier, qu'est-ce que je faisais quand je te voyais, quand je voyais que je te spawn killais? Je te jure, je faisais demi-tour et je repartais au mid de la map. Mais bon, après, chacun a sa manière de jouer en ABS1, quoi. Il y a des mecs qui veulent absolument réussir leur coup et gagner à tout prix, quitte à jouer comme le pire. Il y a des mecs qui s'en battent les queues. Enfin, voilà, chacun ses règles du 1v1. Hein? Chacun ses règles du 1v1. Ça sert à rien de me donner ton cul pour faire genre maintenant, c'est bon. J'étais tout blanc bec, hein. J'étais tout blanc, t'as qu'à regarder la... tu regarderas le gameplay. Arrête d'être mauvaise quoi, ça sert à rien, prends le truc avec le fun. Bref. T'as dit quoi? Bref. Bref, j'ai monté le KRM en or. Souvenez-vous de ce jour où nous avons prouvé notre force. T'es vraiment qu'une grosse putain, voilà, je le dis. Et toi, t'es tellement une mauvaise joueuse. Tout à l'heure, t'avais les... Et je te jure, je reprends le début de la vidéo en joueuse et tout. Turn around et tout. Tu m'as fait tous les trucs pour monter les nerfs possibles. Il est monsieur le V12. Il est monsieur le... Bah, monsieur le V12, il a pas de shoot, nanani. Et là, dès que la pente... La c'est normal, c'est l'être humain, il est comme ça. L'être humain, moi j'arrête de faire les AVS1, ça c'est plus la merde. J'arrête de faire les AVS1, ça sert à rien. Pourquoi? C'est ce que je disais. Parce qu'en fait, donc, comme j'avais dit auparavant dans la vidéo, on avait déjà fait un test et puis il avait gagné. Et j'ai dit, ça sert à rien de faire un gars et une fille. Ça sert à rien, clairement. Enfin, c'est quoi le but en fait de la vidéo là? Hein? C'est quoi le but de la vidéo? Bah, c'est de se confronter. De se confronter, mais ça sert à quoi de se confronter si à chaque fois tu gagnes? On peut continuer sans faire des dégâts. Bah, dans ce cas-là, y'a plus d'enjeu. Dans ces cas-là, on peut faire un handicap. Non, je suis pas une handicapée. Je fais le bandeau. Je suis pas une handicapée. Hein? Je suis pas une handicapée. Non, mais t'es pas une handicapée, mais genre... Parce que, en étant clair, sincèrement, sois honnête avec moi. J'ai quand même mes deux mains, j'ai deux yeux comme toi. Non, mais t'es un peu moins bonne que moi. Non. Sérieusement, tu penses que t'es aussi bonne que moi? Non. Voilà. Donc, ton œil perfide fait penser à bonne. Je te parle pas bonne physiquement. Non, j'ai pas dit ça non plus. Ah d'accord, tu penses que t'es aussi forte que moi sur Call? Non. Voilà, donc en gros, l'idée... Donc toi tu penses que t'es plus fort que moi? Oui. Et donc tu le dis? Hein? Ça va, tu le dis, vas-y dis-le. Bah je suis meilleur que toi sur Call. Vas-y, ça va les chevilles? Mais non mais... Ça va la tête? Est-ce qu'elle tient encore? Est-ce que le casque va encore ou pas? J'aimerais savoir. Non mais... C'est hyper prétentieux. Mais dire c'est que pas t'es être plus prétentieux, je joue à Code depuis je sais beaucoup plus longtemps que toi. Et alors, c'est pas ces jeux-là, tu les connais pas. Il faut pas dire, il faut dire. J'ai plus d'expérience, tu peux nuancer éventuellement. Non mais hé, sincèrement, c'est forcément, c'est logique que tu vas avoir plus de mal. Sur BO2, à mon avis, tu vas me déchirer.
On en a déjà fait sur BO2. Hein, hein? On en a déjà fait sur BO2, je te rappelle. Alors, regarde ton sourire de coin là. Ah oui, je me souviens. Je me souviens. Enfin bref, j'ai adoré cette vidéo. Je te jure que je l'ai adoré. Je sais pas ce que les gens vont penser. Tu me les brises à dire ça à chaque fois. De quoi? À chaque fois tu dis j'ai adoré parce que tu gagnes, c'est normal. Non, enfin, non, les non. gens, mettez-vous deux secondes à ma place, vous faites à chaque fois des vidéos et puis à chaque fois vous perdez. Sincèrement, ça vous donne envie de continuer? Non, sincèrement, c'est relou, hein. Eh, tu vas voir que là, dans les commentaires, les gens ils vont avoir ton, ils vont être derrière toi. Mais allez, je m'en PG. Fous qu'ils soient derrière moi. Allez, PG, persiste, tu vas l'enculer un jour, PG. Mais ça sert à rien, c'est un combat, c'est comme si tu mettais une allumette face à Rocky Balboa. Ouais. Ouais, on voit, oh là, il y a la fatigue qui se mêle un peu à la... Une allumette face à Rocky Balboa. Une meuf et un mec tout en... avec des bras comme des allumettes. Ah d'accord, un mec queuse, ouais, ok, j'ai compris. Enfin, un mec tout sec. Bon bah tout voilà, pour ce qui... Hein, hein? T'aimes trop me dire des trucs non, dans ta barbe. Non, j'ai rien dit, mais j'ai allez, rien arrête, dit. Allez, arrête, je vais réécouter la vidéo, je vais entendre des trucs chelous. Mais non, tout à l'heure, j'ai juste dit que t'étais habillé comme une... Hein? Hein? T'as dit quoi? Mais rien. Ah, tu rends ouf, je te jure, il faut que j'enlève une oreille. En fait, toi, t'as une oreille qui fonctionne pas, donc tu peux bien entendre. Moi, j'entends que dalle. J'ai une oreille qui fonctionne pas. Les gens vont croire que j'ai vraiment un problème. C'est le casque. Bon, bah, sur ce, ma petite PG, je tiens à te dire devant je sais pas combien de milliers de personnes que je t'aime très fort. Quoi? J'ai enlevé mes écouteurs, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Pourquoi t'as parlé en chuchotant? T'essaies de faire comme moi maintenant. Tu triches. Imitez pas. Innovez, les gens. C'est ce qu'on dit souvent. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Non, j'ai pas entendu. T'es sérieuse? Devant des milliers de personnes. Ouais, tu t'es. Je t'aime très fort. C'est vrai? Ouais. Tarlouze. Oh putain! Faut pas dire des trucs comme ça en caméra, ça se fait pas pour les gens, il faut dire que t'es un canard, j'ai pas envie que j'assume, ah tu m'as trop fait pleurer de rire. Bah vas-y, écoutez, sur cette dernière parole, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, ça fait plaisir. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo là sans avoir vu les précédents épisodes, je vous rappelle qu'il y a 4 autres épisodes sur les 4 autres Call of Duty, donc enfin précédents. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ce, salut tout le monde. Salut tout le monde.